Lionel Arco, Ariel Bitume, Thomas Combray et Davy Mourier vont s'affronter sur The Game of Dragon Ball 2. Maintenant, nous allons tester un jeu de société qui va sortir pour Noël aussi. Quoi? Ouais, aussi. Putain, c'est Noël. Alors, t'as gueulé dans le micro, j'espère que ça va pas. Voilà. En gros, c'est pour Noël. C'est le Noël de Davy Mourier, quoi. Bah, il y aura 3 jeux de société qui vont sortir pour Noël. D'accord. Et un autre qu'on va tester aussi aujourd'hui, ou demain sur YouTube, je ne sais pas, qui sortira un peu plus tard. Ok. Nous allons tester maintenant un autre jeu de société qui s'appelle pour le moment The Game of Dragon Ball Dead. Vous connaissez un petit peu Blanc Manger. Blanc Manger Coco. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme Blanc Manger. Qu'est-ce que ça fait? Je mets les doigts dans ma normandie. Alors pêcheur de tourner en rond, quoi. Je reprends. Nous allons donc. Je sais pas pourquoi il y a un truc caché. Vous connaissez Blanc Manger Coco ou Cards Against Humanity? Oui. Oui. Et bien en fait, j'ai écrit un peu la même chose, mais qu'avec des vannes geeks. En fait, c'est un jeu avec des vannes geeks. En fait, le style de jeu est libre de droit, donc tout le monde peut en faire. Je continue ici. On s'en fout sur Insta. C'est libre de droit. Enfin, en tout cas, tout le monde peut en faire. Donc du coup, j'ai fait une version très très geek du jeu. La règle est quasiment la même. Donc il y a des cartes noires avec des phrases à trous que nous devons remplir. Hein, parce que remplir des trous, c'est ce qu'on aime. Voilà. Et il y a des cartes bleues qui vont nous aider à remplir ces trous. Le but est de faire rire le maître de jeu, celui qui a tiré la carte noir. Celui qui a fait rire celui qui a tiré la carte noire gagne la carte noire, ça lui fait un point. Le jeu s'appelle Dragon Ball, donc du coup au bout de 7 points, on a gagné. On invoque chaîne carrée, je crois, le dragon paron. et le but, c'est qu'on peut lui demander n'importe quel vœu. Et souvent, c'est souvent les vœux sexuels sont vraiment mis en avant. Donc c'est-à-dire qu'on demande aux autres de nous faire un truc sexuel. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Et le dernier qui s'est branlé commence. Le dernier, alors attends. Le dernier qui s'est branlé. Ah bah moi ce matin. C'est vrai? On va avant de partir. Ça va, on s'est fait la bise. Y'a pas de problème. Je vais commencer par tirer la première carte. Attends, moi j'ai juste une question. Est-ce que ça a été compliqué pour la syntaxe des phrases? Parce qu'il faut que ça fonctionne. C'est très dur. Et t'as trouvé un relou. Tuto sur internet qui t'explique le non, truc facile, pas du tout. Vraiment, et en fait, il y a eu. C'est le jeu qui a eu le plus de tests. C'est le jeu le plus débile où on a l'impression qu'il y a le moins de règles. Ouais, mais c'est le jeu qui a été le plus testé parce que c'est hyper dur d'avoir des phrases qui fonctionnent avec plusieurs tout. Autres, avec tout. Et des fois, ça va pas marcher, ouais. Forcément. Mais normalement, c'est prévu pour que une phrase sur deux, à peu près tout fonctionne, quoi. Et en plus, le truc un peu plus dur, c'est que c'est geek. Donc du coup, faut se démerder. Il y a déjà des vannes dans les vannes. En fait, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Donc voici la carte. Donc phrase à trous. Pourquoi pas? Phrase à trous. Ok, je dis pas, mais phrase à trous. Non, c'est trop. C'est chaud. Ouais. Donc en gros, là, ils vont choisir des phrases qu'ils ont en main, créer la phrase dans leur tête. Il faut être les plus drôles et réussir à me faire rire. Je vais retourner les cartes. Il y en a qui me font vraiment beaucoup rire. Ah bon, bah ça va alors. J'ai beaucoup travaillé mes vannes en fait. En fait, c'est des tweets. C'est un jeu de tweets en fait. Ouais. Alors, ça va être plus dur de me faire rire vu que j'ai inventé ces phrases. <C'est>... Putain, elles sont collantes. Enfin, tu les as imprimées sur. Oui, c'est parce que j'ai imprimé sur un papier photo. Je me suis dit, ah, ça sera plus épais. Et je me suis branlé ce matin. Mais non. C'est tout baveux, quoi. Enfin... Oui, et en fait, ça ne sèche pas. Donc, c'était pas une bonne idée. Ah, merde, bah, après, t'as peut-être pas choisi la bonne impression sur ton imprimante. Il faut bien mettre papier glacé pour que ça imprime de manière à ce que ça. On a changé de chaîne, là, on est sur les tutos. Ah, ouais, c'est ça, d'accord. Ah, il est toujours en composition de phrase, car c'est très important. Et celui qui me fera le plus rire, la composition de phrase qui me fera le plus rire, va remporter donc le point. Et au bout de 7 points, il aura gagné. Quand tu leur parles, tu regardes l'écran ou tu regardes le petit cahier? Non, je regarde l'écran. Depuis le début, Davy Mourier ne vous regarde pas. Non, c'est sympa, hein. Eux aussi, ils ne nous regardent pas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'amuse, Ariel. Donc, je prends cette première. Je ne sais pas qui a joué. Un pack Facebook de Freddy Krueger. Pourquoi pas? Pété dans l'armure d'Iron Man. Ok, je dis pas. Mais
jouir dans la chip talon. Non, c'est trop. C'est très bon, bravo. Elle marche bien. Elle marche bien. Jouir dans Achille Talon. Ça met dans le temps, mais pourquoi on sache Achille Talon. God of War, les sextoys se rebiffent. Pourquoi pas ? Bojack Horseman qui a pris du Viagra. Ok, je dis pas. Mais l'âne trop qui fait de l'auto-asphyxie érotique. Non, c'est trop. Manger des granolax, vomir et manger son vomi de granolax. Pourquoi pas ? Zoophilie à Zootopia. Ok, je dis pas. Mais... un archiparmentier Findus de Pinkie Pie. Non, c'est trop. Eh bien, c'est Achille Talon qui gagne. Parce que jouir dans Achille Talon, jouir dans Achille Talon, c'est la chute. Ok, donc il y a un point. Et vu que c'est lui qui a le point, c'est lui qui tire la prochaine carte noire. Mais là, effectivement, j'ai... pour... mais... jouir dans Achille Talon. La vraie... à savoir que je les écris extrêmement vite. C'est-à-dire que le jeu, je l'ai fait... en fait, j'ai écrit quand même 200 vannes. Ouais. Comme ça. Donc c'est sorti assez vite. Par contre après avec les tests, ouais, j'étais un peu déçu parce qu'il y a des cartes qui fonctionnaient pas. Donc du coup j'ai dû en reprendre, etc. Après tu peux peut-être les remodifier. Oui, ouais, c'est ça. Les remanier dans les autres, il y en a qui ne fonctionnent pas non plus. Hein. Dans oui, tous les trucs. Oui, oui. Ouais, mais vrai. Nous, vu que c'est un jeu de 250 cartes, ouais, faut quand même que ça fonctionne assez suite, bien parce qu'il n'y a pas 12 milliards de cartes, ouais, en fait. Ouais, oui, oui. Tu veux pas. Oh putain. Pourtant, c'est le Nec plus Ultra. Tu veux pas. Pourtant, c'est le Nec plus Ultra. Donc Yo va relire la phrase, c'est très important de relire la phrase et après de combler avec le trou avec une carte. Vas-y. Tu veux pas, pourtant, une tournante avec Peter Pan et les enfants perdus, c'est le Nec plus Ultra. Tu veux pas, pourtant, adopte la mec, c'est le Nec plus Ultra. Celui-là, il est trop bien. Tu veux pas, pourtant, mettre un bâton dans le cul d'un Ewok et faire le ménage avec, c'est le Nec plus Ultra. Celle-là. Peter Pan ? Ouais. Ouais ! Putain, je suis dingue, moi j'ai donné vraiment quelque chose de technologique avec l'Ewok. De visuel. Ouais, ça, ça va où à la... Ça, ça va à la poubelle des mots bleus. Juste la poubelle des mots bleus. Adopte la Nec, juste ça m'a fait. Ce jeu, c'est toi qui vas faire les visuels aussi, du coup ? Je vais faire les visuels. Est-ce que tu ferais pas des dessins pour chaque carte, du coup, pour qu'on ait le petit visuel de genre la carte de l'Ewok ? Ça, c'est en pour parler, mais à mon avis, ça peut coûter cher. Coûter cher à eux ? À eux de me payer, parce qu'ils m'ont payé en tant que créateur de jeu, mais après, il faut me payer en tant qu'illustrateur. Déjà, je vais extraire la boîte de jeu. Vous pouvez voir l'image. Mais c'est pas la boîte de jeu finale en fait, il faut que je travaille dessus. Mais c'est vrai que j'ai déjà dessiné l'Ewok avec le ballon dans le cul, donc du coup. Tu dis, ça, on verra. Après, ça fait dessiner des trucs un peu trash. Oui, c'est ça. Mais moi, j'adore. Bah oui, on est d'accord. À 16h30 devant une école primaire. Parce que du coup, sinon, en visuel, t'as imaginé. En gros, t'aurais le logo Dragon Ball machin derrière. J'aimerais que les cartes soient rondes et que ça soit des Dragon Ball. Ah, carrément, ouais. Ouais. Mais avec autre chose que des petites étoiles, peut-être dedans, du coup. Bah oui, des petites bites. Rouge. Jean-Marc Morandini à 16h30 devant une école primaire. Il gagne direct en fait. C'est même pas la peine de lire les autres. Je l'ai dit sans rire. Jean-Marc Morandini à 16h30 devant une école primaire. C'est très drôle parce que c'est tellement probable. Regardez Glee en restant hétéro à 16h30 devant une école primaire. Ça marche moins bien. Ouais. Un frozen yogurt avec un topping de sperme à 16h30 devant une école primaire. Bon, Jean-Marc Morandini gagne, forcément. Ce qui me ferait rire, c'est que tu fasses des bites sur tes cartes et qu'il y a un pélo qui porte plainte parce que tu lui as piqué son... Sa bite. J'irais le voler moi-même, le mien. Comme ça, je porterai plainte contre moi. La nouvelle émission de Julien Lepers s'appelle... et j'adore. La nouvelle émission de Julien Lepers s'appelle... Mickey et Donald Trump, et j'adore. La nouvelle émission de Julien Lepers s'appelle Il a craché dans mon yop, et j'adore. La nouvelle émission de Julien Lepers s'appelle Chouchou, le petit train va à Auschwitz, et j'adore. Chouchou, quand même. Ouais. Alors je rappelle que nous ne sommes en aucun cas racistes. Faudra reprendre la phrase qu'il y a sur le truc de Blanc Manger Coco ou de Cards Against Humanity. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu pour gens qui ont vraiment envie de rire de la misère humaine, mais qui sont pas forcément racistes ou sexuellement dépravés. Ma religion, c'est avant tout... Je peux avoir le soda...
Le soda noir. On est là. Oui, on fait pas de pub parce qu'ils donnent pas d'argent. Mais si Coca donne de l'argent pour un truc où on parle d'Auschwitz, moi je prends. Ma religion, c'est avant tout le gros trou noir à Stephen Hawking. Ma religion, c'est avant tout le prince de Bel-Air dans une réunion du Ku Klux Klan. Ma religion, c'est avant tout aller aux putes avec des coupons de réduction de Micromania. Et ben c'est aller aux putes avec des coupons de réduction Micromania. Qui donc gagne. Du coup, je récupère celle-là. Lorsque Gandalf a fait apparaître tout le monde a su qu'il avait repris la coke. Lorsque Gandalf a fait apparaître le cul magique de Mary Poppins, tout le monde a su qu'il avait repris de la coke. Lorsque Gandalf a fait apparaître Esteban Zia Tao, les mystérieux migrants, tout le monde a su qu'il avait repris de la coke. Lorsque Gandalf a fait apparaître le micro-pénis de Ant-Man, tout le monde a su qu'il avait repris de la coke. Bah écoutez, on va mettre celle-là, hein. Le mystérieux migrant, oui. Mon sort magique, ah bah on tombe sur la magie d'affilée. Mon sort magique Avada Kedavra vous protège contre... l'hémorroïde de King Kong. Mon sort magique Avada Kedavra vous protège contre... le MySpace de la Trotrololo Song. Mon sort magique Avada Kedavra vous protège contre Joséphine Angegardien interdit de Space Mountain. Mais qu'est-ce que je t'imagine devant ton ordi à ricaner? Non, je rigole même pas. Ah non, je rigole même pas. Ah non, j'écris les bacs, je fais... l'hémorroïde. Alors attends, je fais... une naine. Bon, ok, Joséphine Angegardien. Interdit de Space Mountain. Sure. King Kong, il est grand. Une grosse hémorroïde, elle serait énorme. L'hémorroïde King Kong. Mais là, en fait, ton jeu, il est quasi fini. Ah là, il est fini. Ouais, il est fini. Il est prêt à aller imprimer, là, on teste. D'accord, ok. Voilà. L'hémorroïde de King Kong me fait plus rire. Mm-hmm. Qui a fait l'hémorroïde? Alors. 1, 2, 3. Dieu a dit, il faut aimer. Dieu a dit, il faut aimer. Oh putain, je vais pleurer. C'est celui-là qui va gagner, je pense. Mais je m'en fous. Dieu a dit... Dieu a dit, il faut aimer avoir un Lego coincé dans l'urètre. Dieu a dit... Oh putain, ils sont tous trop bien. Dieu a dit... En plus, ils me l'ont refusé. Parce que, en fait, j'avais écrit avoir un Lego en guise de bijoux d'urètre. Et je pense que les bijoux d'urètre, ils savaient pas ce que c'était. Et donc ils m'ont dit, elle marche pas. Du coup, j'ai changé, j'ai dit avoir un Lego coincé dans l'urètre. Et là, ils ont dit oui. Et là, ça marche. Dieu a dit, il faut aimer boire le frotti de Madame Doubtfire. En plus, le frotti de Madame Doubtfire, si tu réfléchis bien, c'est du sperme. Oui. Mais. Excuse-moi de te couper. Ça, j'imagine tes mails professionnels là quand même. Excuse-moi, non. Le frottis. Celle-là ne marche pas. Dieu a dit il faut aimer la story Instagram de Nabila. Avoir un Lego coincé dans l'urètre. C'est bon. J'ai tellement. J'en pouvais plus, alors tu gagnes. Vas-y, Ariel. Je me fais exploser avec une ceinture de bombe uniquement si j'ai 72 vierges et. Je me fais exploser avec une ceinture de bombe uniquement si j'ai 72 vierges et castrer le chapeauté. Je me fais exploser avec une ceinture de bombe uniquement si j'ai 72 vierges et Two Girls One Robocop. C'est de l'Algérie. C'est clair. Je me fais exploser avec une ceinture de bombe uniquement si j'ai 72 vierges et Princesse Sarah avec un Prince Albert. Ah putain, ah Princesse Sarah me plaît bien. Ouais, tout le monde se lève pour... tout le monde se lève pour... On a envie que ça rime. Tout le monde se lève pour... G.I. Joseph Goebbels. Tout le monde se lève pour sucer le tube cathodique des Teletubbies. Tout le monde se lève pour sucer Mr. Freeze. Putain, Teletubbies, Mr. Freeze... G.I. Joe... Zef Goebbels. C'est moi. Et la carte est très drôle. Ça va, t'amuses, yo? Oui. Il pense surtout qu'il pourrait jouer à God of War aussi. Bonjour, je suis Mormon et je voudrais vous parler de Dieu et de...
Bonjour, je suis Mormon et je voudrais vous parler de Dieu et de... Fœtus mort de Gremlins. Bonjour, je suis Mormon et je voudrais vous parler de Dieu et de... Rayman, l'homme cul. Bonjour, ah oui. Je suis Mormon et je voudrais vous parler de Dieu et de... L'oncle Picsou ne rend pas l'heure des juifs. Ah putain. Fœtus mort de Gremlin, c'est cool. Yeah. It's me, baby. 1-1-1 qui se transforme en 1-1-1, c'est magique. Adopi qui se transforme en le Schtroumpf nazi, c'est magique. Le père Foura sans slip qui se transforme en la grosse baguette d'Harry Potter, c'est magique. Passer par la Moria qui se transforme en Cersei et James Lannister au Cap d'Agde, c'est magique. Je suis embêté là. Celle-ci elle est bien. Moi je pense que celle-là. Moi j'étais Adopi et j'étais Adopi qui se transforme en Schtroumpf nazi. Juste Adopi, je trouve ça bien. Ah. Juste la carte. Le fait qu'il y ait une carte Adopi alors. Qu'il y ait une carte Adopi. Ouais. Bah tu sais pas si ça existe encore, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des ennuis. J'ai reçu une alerte. Ah ouais, comment ils disent, Un mail d'avertissement. Tu t'es chargé sur quoi? Torrent, j'en sais rien. Ouais, bah voilà. Ouais. Les torrents, c'est... Ouais. Tu te fais choper. Hein, voilà, les bons conseils téléchargement. 1, 2, 3. D'ailleurs, si vous écoutez bien le jeu, vous pouvez recréer le jeu chez vous. Mon plus beau souvenir d'enfance. Bon, ça va, je suis content, vous souriez au moins en lisant les cartes, c'est déjà ça. Non, c'est vraiment bien. Non, franchement, j'ai vraiment hâte de le choper, quoi. En fait, tu te dis... En fait, à chaque fois, moi j'ai découvert Cards Against Humanity qui était téléchargeable sur internet et il y avait des vieilles traductions un peu pourraves. Et du coup, t'avais limite qui avait fait le jeu, Blanc Manger Coco, mais c'était pas aussi bien que Cards Against Humanity. Ouais. Du coup, tu dis, bah lequel j'achète ? Ils osent pas aller assez loin. Ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, tu te dis, bah lequel j'achète ? Là, j'ai trouvé un petit éditeur qui accepte de faire des vraies vannes. Ouais, bah c'est tant mieux parce qu'au moins, je sais que je prends celui-là et au moins j'aurai un geek. Un jeu geek. Et voilà. David Asseloff, mon plus beau souvenir d'enfance. Branler Pinocchio avec du papier de verre, mon plus beau souvenir d'enfance. Spock qui éjacule, mon plus beau souvenir d'enfance. Alors faut penser que Spock quand même, il n'a pas d'émotion. Donc ça doit être... Pinocchio, pardon. Celle qui gagne, c'est Branler Pinocchio avec du papier de verre. Ça va en même temps, hein. What else? Oh putain, j'ai une carte, elle est géniale. T'as pas eu peur de mettre le terrorisme... Non, dans le jeu. Non. Qui viendrait faire exploser une maison à... Pour quelqu'un qui a osé... En plus, c'est mes parents, donc c'est pas... C'est genre... Yaaaah. Mais non, parce qu'en fait, c'est moi. Il est pas là. Il est à Paris. Me faire mettre un doigt par E.T. et m'allumer comme un lampion. What else? C'est bien, ça. Naruto qui pète avec les doigts. What else? Éjaculer des slimes de Dragon Quest. What else? Eh bien, celui qui gagne, c'est me faire mettre un doigt par E.T. et m'allumer comme un lampion. C'est moi. C'est bon, ça. Un matin, je me suis réveillé avec... à la place de mon sexe. Un matin, je me suis réveillé avec Hitler en costume Pikachu à la place de mon sexe. Un matin, je me suis réveillé avec le Schtroumpf tétraplégique à la place de mon sexe. Un matin, je me suis réveillé avec Tarzan... Le roi de la jungle de Calais à la place de mon sexe. Alors, celle-là, je la comprends pas. Le roi de la jungle de Calais. Alors, tu comprends pas parce que tu suis pas les infos. Parce que normalement, Tarzan, c'est le roi de la jungle. Ouais. Et la jungle de Calais, c'est là où on a mis tous les migrants. C'est le nom. C'est drôle. Okay. C'est raciste, il y a tout ce qu'il faut. Ah, c'est Hitler qui gagne en costume. Hitler en costume Pikachu. Ah, encore une et j'ai gagné. Comme par hasard, le créateur du jeu. Mon secret pour aimer la vie, euthanasier Dumbledore et se faire un trip nécrophile, mon secret pour aimer la vie. Oh, putain. Lire tous les commentaires depuis la création de YouTube, mon secret pour aimer la vie. Le film Black Panther avec un casting uniquement chinois, mon secret pour aimer la vie. Tellement bien ce cas. Putain, c'est très dur parce que lire tous les commentaires depuis la création de YouTube, j'adore. Et le film bien votre. Non, mais c'est le film Black Panther avec un casting uniquement chinois. Elle est trop bien cette carte. C'est avec qui? C'est moi.
En plus, ils sont très contents de dire qu'ils ont mis tout un casting africain, du coup. Bah, c'est ça, du coup, ouais. Moi, je m'imagine qu'en Asie, tu vois. C'est mort de rien, toi. Bande d'or. Ah, mais tu sais, avec des costumes africains. Mais oui. Et puis ça, ils ont juste changé les mecs. La direction artistique reste la même. Mais vous êtes sûr? Parce qu'ils sont tous asiatiques, quand même. Mais ouais, mais il faut des asiatiques. Il y a beaucoup de Chinois qui vont au cinéma. Oui, mais enfin, quand même, c'est un film qui se passe en Afrique, quand même. Et alors, on peut changer un peu les rôles des gens. Mais en fait, ça s'appelle Black Panther. Bah, tu fais Yellow Panther et t'as d'emmerder tout le monde. C'est bon, ouais. Deux en maths, hors sujet en philo, il ne me reste plus qu'à briller avec mon exposé sur... Deux en maths, hors sujet en philo, il ne me reste plus qu'à briller avec mon exposé sur... Bioman, mi-homme, myopathe. Il ne me reste plus qu'à briller... Plus qu'à briller avec mon exposé sur boule et bite. What else? Il n'a plus qu'à briller avec mon exposé sur Christopher Reeves qui fait un jogging. Putain. Boule et bite m'a fait rire tellement spontanément que ça ne peut être qu'elle. Boule et bite. Moi. J'ai envie de faire un t-shirt boule et bite. Boule et bite. C'est clair. Bah, en fait, il y a des gens qui le font avec ton dessin. Ils ont juste il y a juste poil en plus, mais voilà. C'est vrai. Se faire un trip BDSM avec Wonder Woman et oublier que le safe world est... Ah oui, d'accord, ouais, putain. J'avais compris safe world. Ouais, ça marchait moins bien. Je me disais, ouais, ok. Se faire un trip BDSM avec Wonder Woman et oublier que le safe world est... Gollum bijoutier. Se faire un trip BDSM avec Wonder Woman et oublier que le safe word est... You shall not pass. Se faire un trip BDSM avec Wonder Woman et oublier que le safe word est... A fist à Iron Fist. You shall not pass. Ah ouais, yeah, tellement bien. Ma nouvelle pratique sexuelle préférée, c'est... Ma nouvelle pratique sexuelle préférée, c'est Rayman à la fistinière. Ouais, pas mal. Il peut laisser 100 points et partir. Oui, c'est ça. Chérie, tiens, je te laisse une main. Puis à des moments, il la rappelle, enfin, il la fait bouger un peu et. C'est, finalement, c'est un peu les sextoys connectés. Ma nouvelle pratique sexuelle préférée, c'est une. une bonne grosse chiasse de Godzilla. Ma nouvelle pratique. Catastrophe sur la ville. Ma nouvelle pratique sexuelle préférée, c'est Tyrion dans un baby gros. Ouais, Rayman à la fistinière, parce que j'aime le concept. Tout, il y a des images. Ouais, ouais. Tout, il y a besoin de se faire des images en tête. Ouais, ouais, carrément. Rayman à la fistinière, mais en fait, c'est surtout que Rayman à la fistinière, c'est... On a tout, c'est pratique. Ah, j'ai cru qu'il allait avoir Oui, j'ai cru qu'il allait avoir une anecdote. Genre... Alors, surtout que non, ça me rappelle vraiment mon week-end dernier. C'est que vraiment, Rayman... Fistine, Rayman, il peut faire... Pff, ouais. Salut les gars. Et puis après, il peut s'amuser à faire... Ouais, ouais. Et en fait, il a... Pourquoi t'as une main, Rayman? Bon, pour rien. Voilà, donc du coup, c'est Rayman. Ouais, ouais. Depuis que je collectionne 1-1, mes parents ne me parlent plus et la police me surveille. Depuis que je collectionne celle avec des selles non moulées... Ah ça, ça, il n'y a que toi qui aurais pu l'écrire. Ça, c'est sûr. Depuis que je collectionne le sperme congelé du chevalier du cygne, mes parents ne parlent plus et la police me surveille. Il n'y a que moi qui aurais pu l'écrire aussi. Aussi. Mmh. Depuis que je collectionne les mini-cums avec des mini-bits, mes parents ne me parlent plus et la police me surveille. Mais je trouve que celle qui marche le mieux, c'est le sperme. Ouais, il marche bien parce que je peux vraiment collectionner. Ouais, quoi. Ah ouais, parce que les mini-cums avec les mini-bits aussi. Il y en a plusieurs, c'est vrai que celle, moi ça marchait pas. Mais... La nouvelle comédie musicale est très bien notée dans Télérama. La nouvelle comédie musicale Les Goonies qui sucent leur paix est très bien notée dans Télérama. La nouvelle comédie musicale Black Panther au KFC est très bien notée dans Télérama. La nouvelle comédie musicale Boukakeman, le super-héros convivial, est très bien notée dans Télérama. Bah ouais. Bah ouais. C'est chaud. Ah, c'est Boukakeman, le super-héros. Je remporte ce jeu grâce à Boukake. Et c'est génial parce que c'est mon souhait de gain de partie, c'est de vous éjaculer dessus. Non, ah, non, Boukake, c'est la merde, c'est vous. Super. Donc j'avais besoin parce que j'ai des rides maintenant quand même. Donc tu veux qu'on te fasse un Boukake? Oui, allez. Coupons la caméra. Coupons la caméra. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Et regarde ces vidéos si tu veux. Je force à rien.
suis comme ça.